Médamout est actuellement un village d'environ 1000 habitants situé à une dizaine de kilomètres au nord de Louxor, en Haute-Égypte. Ce village s'est développé autour d'un site archéologique essentiellement connu par son temple, dédié au dieu thébain Montou. Le site de Médamout a été fouillé au début du XXe siècle par deux équipes de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, avec le soutien du musée du Louvre. Ces deux équipes ont été dirigées respectivement par Fernand Bisson de la Roque, pensionnaire à l'IFAO, et Clément Robichon, architecte dans la même institution. Ces fouilles se sont déroulées de 1924 à 1940 et ont eu pour objectif de dégager le temple de Montou sur lequel nous nous situons. La mission française de Médamout, actuellement sur le terrain, est l'héritière des travaux de ses premiers fouilleurs. Cette mission est sous le patronage de l'Institut français d'archéologie orientale et de Sorbonne Université, avec le soutien financier de la commission des fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le fonds Khéops pour l'archéologie. Notre programme actuellement sur le site depuis 2015 vise non seulement à reprendre la documentation des anciens fouilleurs, mais également à prendre en considération la ville de Médamout qui entourait le temple pour comprendre comment ce temple et le village alentour interagissaient. Le site de Médamout, comme je vous l'ai dit, est essentiellement connu par le temple. Ce temple, ses premières attestations remontent à la 11e dynastie. Par la suite, le site a connu une série de phases de construction successives qui ont vu, à partir du règne de Sésostris III, la construction d'un premier temple en calcaire dont subsistent sur le terrain quelques maçonneries. Après le règne de Sésostris III, l'essentiel des constructions ont vu étendre le temple de Montou de Médamout, essentiellement au Nouvel Empire, avec les maçonneries sur lesquelles on se situe actuellement. À l'époque gréco-romaine, le temple de Médamout a connu une nouvelle extension, essentiellement par la construction d'un grand mur l'entourant, un mur péribole, qui entoure les constructions situées à l'intérieur, remontant au Moyen et au Nouvel Empire. De ce mur ne subsistent que les premières assises de son soubassement qui sont décorées à l'époque romaine par une série de processions qui doivent présenter à la divinité principale différentes offrandes. Malheureusement, l'exploitation du site a fait que les élévations de ce temple sont essentiellement perdues. Plusieurs blocs ont été découverts lors du dégagement des vestiges qui sont en cours d'inventaire et d'étude par des membres de la mission. Le temple de Montou de Médamout doit désormais être mieux étudié et mieux préservé. Cela passe par deux actions complètement différentes. La première, menée par Lorenzo Medini, Nathalie Favry et Dominique Valbel, vise à étudier, republier et comprendre les inscriptions de ce temple, essentiellement par l'édition épigraphique des inscriptions. En parallèle, notre mission doit aussi prendre soin des vestiges eux-mêmes. Actuellement, sous la responsabilité de Hassan Mohamed Ahmad de l'Institut français d'archéologie orientale, une équipe de restaurateurs égyptiens s'occupe de ce travail. Le questionnement principal qui nous affecte est essentiellement désormais de comprendre comment ce temple, déjà dégagé, interagissait avec son environnement urbain et les occupations qui l'entouraient. C'est pourquoi deux grands secteurs de fouilles ont été ouverts depuis 2017. Le premier secteur de fouilles concerne la compréhension de l'interaction entre le téménoge dans sa dernière phase de fonctionnement, à savoir l'époque gréco-romaine, et son environnement urbain.
Pour ce faire, nous avons commencé par dégager l'enceinte associée à la porte de Tibère qui se situe juste ici derrière moi. Au moment de la construction de cette porte, une enceinte en briques fut construite contre laquelle des occupations urbaines furent ultérieurement construites également. De même, nous ne comprenions pas comment la forme de cette enceinte pouvait se structurer dans l'espace. C'est pourquoi, depuis 2018, nous avons commencé à dégager cette enceinte dans le cadre également d'un plan de mise en valeur du site avec la mise en place d'une restauration partielle de l'élévation de cette enceinte pour en donner une image de ce à quoi elle représentait dans l'Antiquité. Vous voyez ici l'entrée d'une boulangerie byzantine installée sur la destruction de cette enceinte gréco-romaine. Cette boulangerie a été fouillée l'année dernière essentiellement et illustre que dès le 5e siècle de notre ère, cette enceinte construite par Auguste était déjà très partiellement détruite, comme le prouve l'installation de fours à l'intérieur même de sa maçonnerie. En parallèle à la documentation de ces niveaux postérieurs, notre fouille consiste à faire plusieurs sondages à proximité de la porte pour pouvoir en fixer le tracé. C'est pourquoi Nadia Lichitra est responsable de la réalisation de 4 sondages actuellement pour pouvoir ainsi documenter le tracé de cette porte et vérifier comment l'installation d'occupation postérieure a pu grignoter et détruire partiellement, logiquement, le tracé originel de cette maçonnerie. Le deuxième secteur de fouille dans le site de Médamout se situe sur le COM, à l'emplacement des occupations urbaines du site. La fouille de ce secteur a été préparée déjà depuis quelques années, d'abord grâce à une prospection géomagnétique et ensuite grâce à une prospection pédestre qui nous a montré la présence de structures de cuisson, probablement de céramique, grâce à la présence à même le sol de tessons surcuits. Ces secteurs de fouilles sont sous la responsabilité de Romain Seignier du CEALEX qui est en train de dégager différents secteurs de production céramique dont la production s'étend depuis le début du Nouvel Empire jusqu'à l'époque romaine sans interruption. La production elle-même, issue de ces fours, est étudiée par Zulema Barahona Mendieta, chercheur associé au laboratoire Orient et Méditerranée. Plusieurs éléments nous permettent de caractériser la nature de la production céramique issue du site de Médamout. En premier point, la totalité de la production céramique découverte est à base d'une pâte calcaire dont l'origine doit sûrement être cherchée sur le site ou dans ses environs proches. Deuxième point, cette production offre des exemples de décors à différentes périodes. Dernier point, les outils de production qui ont permis la réalisation de cette céramique sont parmi les plus grands retrouvés en Égypte pharaonique. En particulier, un des fours actuellement en cours de démontage par Cisco Ramis de l'Université autonome de Barcelone offre un exemple particulier d'un outil de production à taille industrielle. Nous voyons un four dont la hauteur préservée est de 4,10 m. Ces fours sont à tirage vertical avec une partie inférieure dédiée à la cuisson du combustible, un sol maçonné, appelé une sole, qui permettait la diffusion de l'air, et une partie supérieure dédiée à la coction des céramiques qui étaient alimentées par le haut. En Égypte ancienne, très peu d'exemplaires de ce type de four si bien préservés nous sont conservés. Dans les années à venir, la mission continuera son objectif principal qui est de comprendre les relations entre un temple et son environnement urbain. Cela passera par l'extension des secteurs urbains qui seront ouverts à la fouille. Ceux-ci consisteront d'abord à l'étude des occupations impériales et tardo-impériales à proximité des enceintes. Mais d'autre part, notre recherche continuera à s'étendre au milieu du COM pour ces secteurs de production céramique.
Cela passera évidemment par l'étude de nouveaux ateliers déjà connus par des prospections géomagnétiques qui seront dégagées progressivement les campagnes ultérieures. En cadre de fonds, ces recherches permettront de nourrir une réflexion non seulement sur l'urbanisme égyptien, mais aussi sur les cadres de production céramique dans le long terme et comment cet artisanat se structurait à la fois dans l'espace urbain, mais aussi comment la technique même de production céramique a évolué dans le temps long.